Good morning, à l'Aïden, les sujets aujourd'hui, le Nishmat Rechaoron Ben Fortuné Mazal et Claude Yitzhak Ben Fortuné Mazal. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider une prochaine étude du Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui, Maserhet Yuma, Perek Aleph Mishnah Aleph. Shiv'at Yamim Kodem Yom Akipurim, Mafrishin Kohen Gedol Mi Beto Lelishkat Palhedrin. Ou Matkinin Lo, Kohen Acher Tartav, Shema Yerab Opsul Rabbi Yudomer, Afisha Acheret, Matkinin Lo. Shema Tamut Ishto, Shnemar Vechiper Bado Vad Beto. Beto zo ishto amrulo imken en la davar sof. On débute aujourd'hui Maserhet Yoma. Yoma, la traduction du mot, ça veut dire le jour. Le jour, c'est le grand jour du Ham Israël, le jour de Yom Kippour. Une Maserhet entière qui va nous parler de tout la avoda, tout le rituel de Yom Kippour au Bet Hamikdash jusqu'au dernier Perek. Le dernier Perek spécifiquement, elle va nous parler des interdits de Yom Kippour par rapport à l'interdit de manger, de se laver, de tous les interdits. Mais c'est 7 chapitre entier, ça va parler essentiellement de toute la avoda de Yom Kippour. Et la position, c'est intéressant, hein, on a oublié d'en parler depuis les précédentes Mishnayot, depuis qu'on a commencé Moed. On a commencé, si vous faites attention, on a eu Shabbat, Eruvin, Psachim, Shkalim, Yoma. On est dans la cinquième Maserhet de Moed. C'est quoi cet ordre original? Pourquoi? Selon quoi c'est fixé? C'est très simple, ça va selon l'ordre chronologique de la Torah. Shabbat, ça a été prescrit à Mara, avant Mamad Har Sinaï déjà. Shabbat et Rouvin, ça va avec Shabbat. Après les Shkalim, c'est dans Kitissa. Non, Shabbat et Rouvin. Psachim, plutôt. Psachim, parce que cette fois-ci, bon, on est dans Béchalach. Peut-être Shabbat, dans ce cas-là, on va dire que Shabbat, c'est Shabbat de Massé Bereshit aussi. Donc la Torah, elle commence avec Shabbat. On commence Shabbat et Rouvin, ça va ensemble. Après, on a eu Psachim, parce que dans Béchalach, beau, en fait, le début de Yetzet Misraim avec le Korban Pessah. Après Shkalim, c'est parce qu'il y a eu Parjat Kitissa, il fallait donner le Machatzit HaShekel. Et puis maintenant on est avec Yom Kippour, parce que lorsqu'on arrive maintenant dans le livre de Vaïkra, eh bien on va rencontrer tout d'abord la paracha de Acharemot, avant d'arriver à Emor. Et dans Acharemot, c'est spécifiquement sur la voda de Yom Kippour, Bezot Yavo Aaron à la Kohen. Avec ce rituel-là, Aaron il pourra rentrer dans le Kodesh HaKodeshim. Maintenant, ça c'est pour l'introduction du Yoma, la position. On commence avec tout d'abord Shiv'at Yamim Kodem Yom Kippour. On commence bien sûr aussi chronologiquement à l'intérieur de Yom Kippour dans chaque année. Comment ça se passe? La Mishnah commence avec 7 jours avant l'arrivée de Yom Kippour. Shivat Yamim Kodem Yom Kippourim, 7 jours avant l'arrivée de Yom Kippour. Mafrishin Kohen Gadol Mi Beto. On retire, on éloigne le Kohen Gadol de sa maison, les Lishkat Palhedrin, pour l'inviter, pour le faire demeurer à la Lishkat Palhedrin, une cabine. Un petit appartement, une petite suite, qu'il y avait au Bet HaMikdash, qui s'appelait la Lishkat Palhedrin. Littéralement, c'est la Lishkat des gouverneurs. On va expliquer le mot ensuite. Pour le moment, je continue ma phrase. Et en plus, on va même désigner un deuxième Kohen, Gadol, de remplacement, un second, au cas où Shema Yehra Bopsoul, de peur qu'il va avoir une impureté, une invalidité, qui va faire que le Kohen Gadol ne pourra plus faire la voda. Soit la Mishnah me dit comme ça. On va apprendre que toute la voda de Yom Kippour, elle doit être spécifiquement réalisée par le Kohen Gadol. Tous les travaux, quasiment. Par le Kohen Gadol uniquement. Du coup, pour pouvoir, il va faire la kapara, il va expier toutes les fautes du Ham Israël. Et on déduit ça depuis les Milouim. Il y avait pour la première fois, lorsqu'on a construit le Mishkan dans la paracha, dans la Torah a imposé la mitzvah des Milouim pour pouvoir sanctifier les Kohanim. Alors il a fallu pendant une semaine les mettre aussi qui restent dans l'enceinte du Mishkan à proximité, qui est Omi Petach Oel Moed Lo Tetzeu Shivat Yamim. La Torah l'a imposé, vous ne sortirez pas du Oel Moed durant 7 jours. Et on a déduit là-bas que Kaasher Asaba Yom Hazeh Tiva Hashem Laasot Lechaper Alechem, comme ce qu'ils ont fait à l'époque des Meluim, ainsi Hachem, il a imposé de faire pour les Chaper Alechem quand vous aurez besoin d'une capara, et on déduit l'Agma, elle ouvre la Maserhet Yoma en rallongeant, pour expliquer pourquoi on parle spécialement de la capara de Yom Kippour et d'aucune autre capara. La capara de Yom Kippour aussi, il va falloir de nouveau retirer le Kohen Gadol qui va faire la voda durant 7 jours de sa maison pour qu'elle aille vivre dans la Lishkat Palhedrin. D'accord? Le but, il est de se sanctifier, de bien réaliser ce qu'il va faire, de
s'entraîner à faire la avoda, comme ce qu'on apprendra. Il va devoir tous les jours réviser, travailler, et c'est surtout aussi s'éloigner de toute éventuelle impureté, pour qu'il puisse être apte à faire le travail. L'endroit où on le retirait, ça s'appelait la Lishkat Palhedrin, la cabine des gouverneurs, des ministres. En fait, c'est une expression un petit peu péjorative, parce que les gouverneurs, ça se remplaçait tous les ans chez le roi, d'accord? Un peu comme le gouvernement israélien, c'est à peu près tous les 6 mois. Alors eux, c'est tous les ans, ils se remplaçaient. Tous les ans, le roi, il remplaçait les gouverneurs, ou les, je ne sais pas exactement, les ministres, je ne sais pas exactement quel niveau de fonction. Et au même titre aussi, on a donné un petit peu cette expression péjorative aux Kohanim d'Olim. Que les Kohanim d'Olim, ils finissaient pas leur année. Rentrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est un moment très solennel. Et à l'époque du deuxième Beth Amikdash, les Kohanim d'Olim, au lieu de désigner les Kohanim d'Olim selon leur niveau de Tzidkout et de Talmid Chacham, ils payaient tout simplement pour pouvoir obtenir le droit. Ils avaient du piston chez le roi pour qu'il le nomme Kohen Gadol. Donc du coup, ils n'étaient pas du tout au niveau spirituel de pouvoir entrer dans le Kodesh HaKodashim. Ils y entraient, et lorsqu'ils y sortaient, eh bien, ils finissaient pas leur année en général. La Gemara rapporte qu'il y a eu, à l'époque du Beit Rishon, qui a duré pendant 410 ans, il y a eu, je crois, 12 ou 16 Kohanim, et une marloquette, comment lire dans la Gemara, ils ont 12 Kohanim durant, pour couvrir une durée de 410 ans. Pour le deuxième Beit HaMikdash, donc qui a duré un petit peu plus, 10 ans, 420 ans au total, il y a eu 380 Kohanim, si je ne me trompe pas, avec, prenant en compte qu'il y a eu un Kohen qui a duré 40 ans, un autre Kohen qui a pris 80 ans, donc vous imaginez, pour les 300 ans, il y a eu des Kohanim qui passaient même pas quelques mois, 6 mois, c'était vraiment comme le gouvernement israélien là, cette fois-ci, d'accord? Donc du coup, on a donné cette expression péjorative, la Lishkat Palhedrin, la Lishkat du Kohen Gadol, c'est devenu la Lishkat des gens qui se relayent, qui se succèdent, tous les 6 mois, tous les ans, d'accord? Ça, c'était pour l'introduction de la Mishnah, la Mitzvah de Prisha, ça s'appelle. Maintenant, Matkinin lo Kohen Acher Tartav, il fallait aussi désigner un Kohen qui allait le remplacer au cas où il allait avoir une impureté. Chez Maïra Bobsoul, de peur qu'il va avoir une impureté. Ça peut être toutes sortes d'impuretés, d'invalidité. Ça peut être qu'il est devenu impur, ça peut être parce qu'il a eu un défaut, parce qu'il est toutes sortes de situations. Et donc, on va désigner un deuxième Kohen, Gadol, qui va le seconder, au cas où le premier, il est inapte, le deuxième, il devient le premier. Ok? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, tu sais, Afisha Cheret Matkinin Lo, il faut aussi lui prévoir une deuxième femme. Pour quelle raison? Shemata Mutishto, de peur que sa femme va mourir le jour de Yom Kippour, et là, le Kohen Gadol, s'il n'a pas de femme, il ne peut pas faire de la Avoda. Shenema, parce que nous dit le verset, le pasouk nous dit là-bas, il insiste bien, qu'il doit expier ses fautes et les fautes de sa maison. Sa maison, c'est sa femme. Beto zo ishto, comme la Mishnah nous le dit. Donc maintenant, le Kohen, il va devoir expier les fautes pour lui, pour sa femme, s'il n'a plus de femme. Il est inapte à faire la voda. On a peur que sa femme, elle va décéder le jour de Yom Kippour. Il n'aura pas le droit de se marier avec une autre. Parce que même concrètement, la Gemara explique qu'il ne peut pas se marier avec une autre. On n'a pas le droit d'avoir des rapports à Yom Kippour. Donc du coup, simplement marier une femme en le faisant avec du chine, ça ne suffit pas, il faut lui faire la choupa, ils n'ont pas le droit d'isoler. Donc du coup, il ne pourra pas se marier pendant Yom Kippour. Il n'a pas question que le Kohen Gadol, il n'a pas de femme. Donc du coup, Rabbi Yehuda, il nous dit, on lui prévoit une deuxième femme. La Gemara le rallonge pour expliquer que ce n'était pas vraiment sa femme tout de suite, c'était avec des conditionnés, que si la première part, la deuxième, c'est elle qui devient sa femme. D'accord? Pour qu'on s'assure qu'il ait une femme pendant Yom Kippour. Donc, et si tu commences comme ça, alors il n'y a plus de femme. Peut-être prévoit aussi une troisième femme, peut-être que la deuxième aussi elle va décéder. En fait, Rami Ven nous dit, bon, il ne faut pas se mettre à trop craindre des situations relativement rares. Donc du coup, on ne veut pas se soucier que peut-être que sa femme va mourir. Parce que sinon, elle n'a d'avoir sauf. D'où la question, alors quoi? Mais toi-même, Rachamim, vous étiez d'accord que malgré tout, on va désigner un deuxième Kohen Gadol au cas où il va avoir un problème, le premier. Donc, on craint qu'il va avoir un problème. La Gemara, une des réponses rapportées dans le Bartanura, a une différence fondamentale. Devenir impur, ça peut arriver à tout le monde, et c'est fréquent. Donc, on a
on va se soucier que le Kohen Gadol, on va instaurer, on va lui prévoir un deuxième, un second, au cas où il va avoir une impureté. On craint quelque chose de fréquent, on ne craint pas quelque chose de pas fréquent, en deux mots. Craindre que sa femme, elle va mourir, Baruch HaShem, vous comme moi, on est tous mariés pendant Baruch HaShem assez longtemps, et on a Bechazé Shamaim, jamais eu de surprise le matin, et que ça continue jusqu'à 120 ans. D'accord? Pareil pour le Kohen, il n'y a pas lieu de se soucier que sa femme, elle va devenir, elle va décéder, maintenant. Donc, on ne craint pas qu'elle va décéder. Mais par contre, craindre qu'il va devenir impur, ça peut arriver à tout le monde. On rencontre tous, dans tous les coins de rue, des souris mortes, ou différentes impuretés, ou tout simplement un kéri, quelque chose qui sort de son corps, qui va dans l'impur, même si à Yom Kippour, ça risque pas d'arriver, parce qu'à Yom Kippour, il ne dormait pas le Kohen Gadol, comme on verra. Mais malgré tout, il y a toutes sortes de causes qui peuvent être, qui peuvent faire, qui va devenir impur, quelqu'un qui est impur, qui va le toucher. Et donc, la Gemara le raconte, il y avait un Kohen Gadol une fois, il a rencontré quelqu'un, il lui a parlé, en fait c'était un goy, et le goy, quand il lui a parlé, il lui a postillonné sur lui, ça l'a touché, il est devenu impur, à Yom Kippour. Ça arrive tous les jours, donc c'est un Kohen Gadol tzadik en plus. Ça arrive, ça peut fréquemment arriver, des choses pareilles. Donc du coup, notre ami m'a prévu qu'on va quand même prévoir un second pour le remplacer dans cette situation. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Slachakolto, c'est là.